ثيري دي توالين تيكو 5 ثيك التاغ نروح ثيزي وزو ثيزي وزو تيملي لي ثيك ذي ونو مازان اقفو نو كافير ار سي دي دوين كازام لان خيران لي مازان ديفران نو كافير ار سي دي ديفران سكومني نا اغلنا ونا لاسومبلي ناسيونال الجزائر يانسن الى ياسين اسيوان ياسين اسيوان ذن سغيلين ذين فقير أنت ذويل تكير بوسكير أسينير ياسين أزوف لك ياسين أزوف لك دارشين أزوف لك ويدي اللي سمح سيسن فنمير في كي تون فقير لشان تيكو سنك إيوا شو بعض ياسين أسيوان شكون في زرامة كيكير والسنة كيكير ذوك السفثرين فيسبوك أسن سا دي ناير يوم ناير يشوف يون بولغو نغني من قار فرنسي سي اون ديكلاراسيون مو يفكر ازول دو لامبوستور ديموكراتيك على سوتريتانس اسلاميست هي شكير اي دي بوين ساول راس اي ياسين اسيوان اسوير تي كيو 5 كي تلقى يل في كلت ماشي غير وكني ات زو الهم نعت تسمو قول يمكن تسكر شوال مشى كني قال فرنسي سي جوست بو كلاريفي يك تمثال نسرتي تضغونا كا ديت بوغث ايه ميلا وي دي فرانس ديالن ياسين اسيوان ديت دولت نيرون انسو في سوان تيكو سان في بورينس ديلت ايال يوان ديو تي فران ادفكن سيكتينس نا سيريغيتينس ايه أدو حاجة صص شيء مزوجو ياسين السينير إيوة شو أول رو يكين نامز مثلا دينار فرانسيس pourquoi cette déclaration de dénonciation à l'encontre de la démarche entreprise par le président RCD en l'occurrence Mohsen Belabès وكيد صص شيء منو مزوجو ياسين. فنمرت درشيب donc mais quand vous allez donc qui est donc démissionnaire de l'RCD du Parlement qui n'est pas recouvert d'autres. Ça fait plus d'une année. On connaît Machi pour les choses en chouette. On connaît Bernoufa, Adatili, Lena. Mais l'Enkira, l'Aïved, a mis en train de la politique. Donc, ils ont tout fait pour nous ramener sur le terrain politique. Ça fait plus d'une année. La situation, elle est très critique dans le pays. Nous sommes devant une impasse historique. Ce n'est pas seulement une crise, c'est une impasse historique. L'Algérie est en difficulté sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Donc, nous faisons face quotidiennement au pouvoir militaire, mais aussi à sa béquille de toujours, donc l'islamisme. Avec ses tentatives d'incursion, particulièrement en Kabylie, parce que c'est une région qui leur a toujours échappé. Donc, au Kounir, on a essayé d'éviter au maximum les polémiques qui peuvent causer de sérieux problèmes au courant démocratique. Donc, nous n'avons jamais voulu tomber dans le piège, malgré les attaques dont nous avons fait l'objet des camarades à moi et moi-même. Nous avons essayé de tempérer, de ne pas répondre et de s'occuper de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est ces deux revers de la même médaille qui sont l'islamisme et le pouvoir militaire. Depuis 1962, nous venons avec depuis exactement le coup d'État qui s'est opéré au Caire, contre la résolution du Congrès de la Soumam, puis l'assassinat d'Abdel Nourmoudi, c'est les militaires qui squattent le pouvoir. Les militaires qui sont, bien sûr, servis de la religion. Les islamistes guerriers, c'est une béquille depuis toujours. Le fils est une béquille du système militaire. Ouïghien qui chante à partir de Londres, Narmorad Hina, on les connaît tous. Ils ont tous des liens avec le système militaire. Zetop, c'est un ancien des services spéciaux. On ne peut pas être dans la diplomatie algérienne sans avoir un fil à la patte. Donc, il a toujours été des services spéciaux. Mourad Hina, c'est un ancien terroriste. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Et puis, il a été poursuivi plusieurs fois pour des affaires terroristes. Les déclarations, elles existent. Ils essayent de nier ça. Haroun peut dire, on n'était pas concerné. Non, il veut se faire une image de démocrate, alors que les déclarations, l'histoire leur rattrape, ces déclarations, elles existent sur Internet. Quand il vous dit que ces journalistes qui sont assassinés, si les démocrates veulent en faire des martyrs, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Ça, c'est une déclaration de Mourad Hina. Et c'est une apologie au terrorisme, c'est un soutien au terrorisme.
Donc, ces gens-là, ils sont à combattre au même titre que le système militaire qui a prévalu en Algérie depuis exactement le coup d'État de Tripoli et l'assassinat d'Aben Amran. Donc, pour nous, le combat essentiel, c'est celui-là. Ce n'est pas en tant que démocrate. Mais que voilà, plus d'une année après ma démission du Parlement, alors que les autres sont restés, Noël, la démission est bien sûr, plus d'une année après ma démission du parti, je reçois un courrier par l'huissier de justice me demandant de prétendues cotisations à moi. Moi qui ai toujours payé mes cotisations, plus que cela, j'ai toujours contribué en tant que DZ, ça veut dire quoi, avant qu'on soit au Parlement, au financement du parti. J'étais cadre dans la Sonelgaz, je payais mensuellement des cotisations pour permettre à certains de toucher un salaire qui était permanent du parti alors qu'ils touchaient en même temps une retraite. On va revenir sur toutes ces questions. Donc, s'il y avait cotisations, ces cotisations, il y a un parti politique, comme toute association, il fait un bilan à la fin de l'année. 2019 et Adda, moi j'ai démissionné avant la fin 2019, en octobre 2019. 2019 et Adda, pas de demande. Et pour 2020, plus d'une année après, ils m'envoient un courrier. Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut faire à travers ce courrier? Moi, je pense qu'il est en train de faire jonction avec l'islamisme et le militarisme qui s'attaque au courant démocratique, au vrai courant démocratique que nous représentons. C'est une jonction avec ces gens-là. Parce que sinon, il n'y a pas de raison pour envoyer à des gens, tu as de surcaroir, voulu faire caroir à l'opinion, avoir exclu du parti. Il y a fichicide partout. On les a exclus. Quand on exclut quelqu'un, on ne lui demande pas des cotisations. Ne me demande pas de financer ta forfaiture. Et malgré cela, nous avons apporté des précisions en dehors du règlement intérieur et des statuts du parti, il a touché un surplus de 73 millions. Mes avocats s'occupent de lui apporter la réponse nécessaire. Voilà donc ce qui a motivé ma contribution. On s'est tu, on a essayé d'être silencieux à ces attaques sordides de ses anciens compagnons pour nous occuper de l'essentiel, mais comme ils ont été très avancés dans leur démarche, donc dans leur voie de reniement et dans leur démarche avec ce courant islamiste, ils ont été actionnés pour nous ramener sur un terrain polémique. تنميث ياسين ذا شكايا وين تسقسي وسين ماشي ياسين قبل هذا حتسقسي وسين او يفن الدوغ لا حوسا ما كان حوزك شي طاحت هو اللي مدني دنيا سمزورو الشوال ما الدنيا الشوال ماشي شي دلها خاطر نتصق دي سيتو ما كنخدم سنه كنخدم تصلي الدوسي يشد سمزورو يتمت القبائل ضغا la guerre du cartable en 94 nsouk fel dak ki yak chou gdran di 2000 w yewon tasir di tsagouna ki di katen di smqadan di gna kom kom li khla ntzou chou al knistikusak machi chou li ntzou nkouni ntsak awal khla da media ni qbalin yak smqoul fi kad nfaz timsal chou gdran ma dak mzouy chou gdrouna kad dou hadi la scene politik كابيل ونوالا باللي يعني كي كيضغاني كنوي كتشيني دو كاد لي ديميسيونير دو سي دي اكد محسن بالعباس دو لا قراري وكني وكاد في دي تورنتو كي تاكد فهمن دا شكا يتزين اوتور دو سا سي بو سا ناد باللي هادي لي نفكاو النظام محسن بالعباس دو ويد ياك يبغانا بمسلاين اكدار انتيريت اثن سي بو سن تي كي 5 تلدي وكني اسنسل تو دا شكا يا وين ياسين نسقسي ويسين Tidinaire Francis, est-ce qu'on peut tout d'abord savoir les raisons de votre démission de l'APN et du RCD et comment vous considérez le maintien encore des députés du RCD à l'APN pendant que le peuple rejette tout le système politique Mazma Tidinaire Skvailit Dachoun Tisbouin et qui Jan Ford Kchinien, ce gouverneur, l'APN, Kdouka vers l'RCD et est-ce que c'est Wissin, Hanish Wissin ou Skser شو تسوى لذا كي وجد مازال إما زال الناس دي قيمن
de gouverner qui l'APN, l'Assemblée nationale algérienne nationale, alors que nous avons eu bien à Raf, surtout à dire lien au rêve à dire à qui mail là. Donc, Wakim et Yassine. Merci, Khalda Rachid. Il faut remonter à la campagne électorale et à la décision de candidature. Quand on s'est présenté aux élections, Smidin Dukouni et Ferranin, Nadiouvigou, parce qu'en Zarab, la fraude, c'est une constante nationale. En dehors de la Kabylie, là où il y a possibilité de contrôler les élections et là où ils ne peuvent pas triturer les résultats, partout ailleurs, en Algérie, les élections, on le sait tous, elles sont truquées. Donc nous avons dit que nous allons nous présenter pour d'abord accompagner les citoyens, accompagner nos élus locaux, parce que nous avons des communes, nous avons des APC à gérer et qui ont besoin de développement, donc il fallait les accompagner. Et puis il y a des citoyens qui ont des difficultés, qui nécessitent un accompagnement. Donc nous avons dit que nous allons nous présenter pour cela. Mais pas seulement pour cela. Nous avons dit que nous allons nous servir de l'APL comme tribune d'expression pour faire parvenir notre message partout en Algérie. C'est ce qui a été fait. En 28 mois de mandat, moi personnellement, je fais en sorte à ce que notre discours retentisse à l'intérieur de l'hémicycle, mais aussi à l'extérieur. C'est nous qui avons soulevé la question des 1000 milliards face à Ahmed Yahya. C'est nous qui avons dénoncé à chaque fois les dérives du pouvoir et du gouvernement, et les vidéos, nos interventions existent. Donc, nous n'avons jamais ménagé un effort pour dénoncer le pouvoir mafieux et pour faire véhiculer notre discours. C'était ça le message lors de la campagne. Nous avons dit qu'il fallait, que nous avons deux objectifs, accompagner nos élus et nos citoyens, mais aussi faire véhiculer, faire parvenir notre discours depuis l'hémicycle à tout le territoire national. Ces objectifs sont atteints. À partir du moment où le peuple est dans la rue, nous avons dit qu'il faut être avec le peuple. Il fallait être à l'extérieur. Moi, personnellement, je n'ai eu de cesse de rappeler l'actuel président du RCD, il a qu'à ne faire. Parce que notre engagement pendant la campagne, c'est celui-là. Nous avons dit un sawa figarena ou guidoud, figarena khbdar ou guidoud. Le discours a été très bien accueilli par le peuple. Et puis, le peuple est actuellement dans la rue. À quoi va servir la présence d'un député à l'intérieur de l'hémicycle, Inéda Darachid? Donc, c'est depuis le début de la révolution jusqu'à ma démission, il faut démissionner. Il ne voulait pas qu'on démissionne. Donc, la question elle se pose à lui. Pourquoi il ne veut pas démissionner de cet APN de la honte? Il continue jusqu'à maintenant à toucher un salaire sans mettre les pieds à l'intérieur de l'hémicycle. Donc, pour moi, à partir du moment où nos objectifs sont atteints, il fallait quitter. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait moi personnellement. اي وحري شو السين وسقسي وسما تعرف في الناس ناد باللي ناد باللي اي وكا كي دي قيمه انك لي ديبوتي لي سي دي زاك لاسومبلي اسكو سي نورمال مازال يثن لو كو لو بوبل يل دوموند دو روجتي ياك لي انستيتيوشن ياك السيستيم انت راشي هي قادم سفا نهاية تقيمنا داخل لاسومبلي الصالير نيس كي دي قيمنا داخل لاسومبلي ان سون بي على الانتيريور دو لاسومبلي افي فو انتوندو un député s'exprimer sur la situation du pays à l'intérieur de l'hémicycle depuis le début de la révolution? Avez-vous vu un député accompagné des citoyens, des élus, depuis le début de la révolution? À quoi sert la présence d'un député actuel? Le peuple rejette ces institutions. Le peuple dit qu'il faut un changement radical du système. Et le changement radical commence justement par la refondation nationale et toutes ces institutions doivent être revues. Il faut qu'il y ait carrément une refondation nationale, que les institutions aient bien à droit,
Le militaire, Elie Jubimanis, c'est la gestion des affaires politiques, pour que la parole redevienne enfin, comme ça a été décidé en 1956, au peuple algérien. Mais Yassine, juste pour pour garder des canaux chauds, les députés, les députés, d'ailleurs, les députés, les députés, les députés de l'Assemblée, quand ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Donc, ils ont été en train de se faire. C'est une source financière pour le parti à partir du moment de la cotisation. Mais le démissionner, c'est l'URCD, il n'y aura plus de salaire, donc il n'y aurait plus d'argent. Donc, ce n'est pas pour faire l'avocat du diable, mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis désolé. La politique d'Arachide, pour moi, ce n'est pas une équation mathématique. Ouais. Ça dépend des conjonctures. Ce qui était valable hier peut ne pas l'être aujourd'hui. Donc, c'est une réponse qui aurait pu être valable avant. Mais c'est une réponse qui n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'existence du pays elle-même qui est menacée. Donc, à partir du moment où l'existence du pays est menacée, comment voulez-vous qu'on discute de l'existence des partis politiques? Si le peuple est sorti dans la rue, c'est pour refonder la nation de la base, y compris les partis politiques, y compris les partis politiques. On ne cherche pas la survie des partis politiques, mais on cherche actuellement la survie de l'Algérie, de la nation algérienne. C'est la survie de la nation qui est menacée. Donc, si ces députés, si ces responsables politiques réfléchissent de cette manière, je pense que nous n'avons pas de beau jour devant nous. Déjà, il y a une discussion qui est grave, qui est la terre Yassine, qui est l'année 1916, et la déclaration unique de la sous-traitance islamiste. Est-ce que cette sous-traitance islamiste, dont vous parlez dans votre déclaration, il y a la signature de Mohsen Belhabès avec Dehina, qui est un acteur de la mouvance islamiste tendance fils. Est-ce que vous pensez que cette alliance contre nature pourrait représenter un danger, notamment en Kabylie, en permettant aux militants du mouvement Rachad d'évoluer tranquillement en islamisant la société? Il faut savoir que la signature du document né auquel vous faites allusion, document avec Mourad Dehina, qui était proposé, bien sûr, selon les propos d'ailleurs de Mourad Dehina, par Rachid, Mohsen Belhabès et d'autres. Donc, il a été signé par lui-même. Ce document représente la face apparente du contrat. Mais la face tacite, ce qui est tacite du contrat, on ne le connaît pas jusque-là. Il y a eu des réunions. Et moi, personnellement, j'étais responsable du parti à l'époque. Je n'étais pas informé, je n'étais pas mis au courant et je notifie tous les membres de l'exécutif de l'époque. Personne ne le savait. Il y avait des réunions secrètes qui se faisaient au niveau du siège de Maghribia et personne n'était informé. Personne n'était informé. Donc, il y a une feuille de route qui a été décidée par Rachel et qui a été adoptée par l'ensemble dont l'opinion publique n'est pas au courant. Le document signé et qui est rendu public, c'est la face apparente. Mais le contrat tacite, nous ne sommes pas encore au courant du contenu. Et je pense que ces attaques, les attaques actuelles qui sont orientées contre nous, rentrent justement dans le cadre de cette feuille de route. Parce que quand vous entendez Mourad Dehina vous dire qu'il y a eu une feuille de route qui a été élaborée par Rachel, qui a été proposé et à Mohsen Belhabès et à Karim Tabou et qui ont bien voulu signer, cela veut tout dire. Et puis, il y a eu des vidéos. Il y a eu des vidéos, comme on l'a su, il y a eu des vidéos qui sont sorties, qui sont sur le net de leur réunion secrète et par rapport auxquelles on n'avait aucune information. Il y a eu des déplacements pour des émissions prétextes. Je dis prétextes parce que, véritablement, c'est des émissions prétextes. En réalité, les déplacements servaient à tenir des réunions en marge de ces émissions prétextes pour faire main basse sur la révolution. Et pour faire main basse sur la révolution, ils ont besoin d'une partie importante de l'Algérie, qui est la Kabylie.
Sans la Kabylie, ils le savent. Ils l'ont tenté en 91, en 92, ils l'ont tenté, ils ne l'ont pas eu, parce que la Kabylie a résisté. Et aujourd'hui, ils veulent retenter le coup, mais en infiltrant, en maillant la Kabylie avec leur argent. Ils ont des sous-traitants pour cela. Et les sous-traitants aujourd'hui, ils sont démasqués, ils sont connus, et ils l'assurent. تنميث إمين أياسين تضغط المغاربية تي في غوغالن أوغاس تي في وزان كيسما أوغاس تي في ملا سعان ليان في كيشاويين عطل لاني بروغرام تشاويث ديك سنغالا سبع غارة سعطا سنكينيا دونك سيدي نغسق سي وصان ميث فرانسيس Vous avez évoqué dans votre texte justement le changement de ligne de politique du RCD est dû en partie à cette chaîne Al-Maghribia devenue Awras TV, une chaîne Kanzra, de Misna Bassi Madani. Comment une chaîne TV pourrait influencer l'orientation politique d'un parti laïque comme le RCD? Donc, il est ce que c'est Ouais, il y a l'évolution de la situation, mais il y a un discours à la carte qui est tenu. Il y a un discours dans les locaux du parti qui est tenu, notamment par rapport à l'arrêt du processus électoral. Il y a un autre discours pour faire plaisir aux nouveaux alliés qui est tenu à l'intérieur des plateaux de Maharibia, sur les plateaux de Maharibia. Dans les locaux du parti, on fait la gloire de l'arrêt du processus électoral et on dit qu'il est salvateur et que c'est cet arrêt du processus électoral qui a sauvé la nation algérienne. Sur les plateaux de Maharibia, le discours change. Je parle du discours du président du RCD. Le discours change, on parle de coup d'État. Cela veut dire qu'on se met en phase avec les thèses de l'islamisme et de ses islamistes. Ce qui est dramatique, c'est qu'on s'aligne sur les thèses d'un parti islamiste pour les réhabiliter parce qu'ils n'ont plus de place dans la société algérienne. Après 200 000 morts, après plus de 20 ans, de drame, c'est ces pseudo-démocrates qui tentent de la réhabiliter sur la scène nationale, en se servant bien sûr d'un sigle qui les a combattus depuis le début, qui est le sigle du RCD. Je dis que c'est dramatique parce que ça ne concerne pas seulement l'Algérie, ça sort du territoire national. Rachid Gennad Rachid, Matsouadet, elle est affiliée au congrès de la Oumma, Mu'tamar al-Oumma. Mu'tamar al-Oumayegi, le congrès de la Oumma, il est dirigé par Hakim Lemterek. Hakim Lemterek, qui est un Kuwaitien, il est terroriste, catalogué comme terroriste international. Et c'est lui qui préside le congrès de la Oumma. Et Rachid fait partie de ce congrès. Ce congrès est tenu en Turquie. Voilà. L'un des objectifs de ce congrès, c'est la refondation du califat, l'effacement de toutes les frontières géographique, ça veut dire la disparition de la nation algérienne, du Maroc, de la Tunisie, pour faire un califat dirigé par les Turcs. Est-ce que nous devons nous aligner sur des thèses comme celle-là ou pas? La question se pose à ces pseudo-démocrates. Après 20 ans de lutte contre le terrorisme, on se retrouve à courir derrière Hakim Lemterre, à courir derrière Mourad Dehina, à supplier le fils d'Abbas al-Madani pour une heure d'antenne. Voilà. Bonsoir, Yassine, Tsmithiakan. Historiquement parlant, c'est l'Empire britannique, notamment François Danetika, qui ont mobilisé la Oumma al-Arabiya, la nation arabe, Ali Saoud, une Saoudia. Et on a l'Empire ottoman, l'Empire islamique tel qu'il a été émergé des Thalithniens, les Othmaniens. Après, il y a des droits d'Iran, il y a des Thimbourans, il y a des petits pays qui sont le royaume de l'Arabie, les Émirats, Koweït, etc. Il y a des l'Oumma al-Arabiya, selon le rêve de Napoléon, avec l'Empire britannique, de l'Atlantique jusqu'à l'Arabie. Mbadak, Thuran, c'est comme si on dirait Erdogan, il est en train de faire la revanche de l'histoire. Il va dire l'Oumma l'Islamienne, mais c'est l'Oumma l'Arabie, l'Oumma l'Islamienne, qui se fait maintenant, c'est Moussouthen, l'Adra, Win al-Zayer, Moussou Rachad, Khalqan Dabran, Khalqan l'Oumma l'Islamienne, de la Turquie.
Donc, juste pour l'histoire, c'est important de savoir. Alors que nous connaissons ces Mazériens, nous pouvons les faire lire l'Umma Mazériens. Normalement, vous ne connaissez rien. Normalement, comment créer notre monde à nous, la Tamazra, c'est-à-dire affilié ni à telle Umma ni à telle Umma, nous connaissons. Voici il a, voici un officiel, nous garde et des toilettes pour l'histoire. Vous savez, de là, afin de chacun, c'est une leçon à ne faire qu'acquérir une émission spéciale. J'ai carrément une question, oui, Khamsa, Yassine. Est-ce que vous pensez que l'URCD a dévié de sa trajectoire initiale tracée par les fondateurs de l'URCD en 1989, où nous avons fait le docteur Saïd Saadi, Farhat Mani, avec Mustafa Bachar, Ersanis et Telouif? Est-ce que Florence Gouvry d'acquérir une trace avec acquérir les fondateurs? Ça, c'est le constat de tout le monde. Ce n'est pas seulement mon constat. Quand on s'aligne sur les thèses de Rached et de l'islamisme, quand on s'aligne sur les thèses de Mu'tamar al-Umma, cela veut tout dire. Le RCD n'a jamais prôné cela. Nous ne parlons pas de la Umma islamia, encore de la Umma arabe, encore moins de la Umma islamia. Au RCD, on parle de l'Afrique du Nord, des régions. Voilà. Vous parlez de l'Afrique du Nord, Temesra, ça a toujours été un existant historique. Il s'agit pour nous, si nous voulons survivre demain, parce qu'aujourd'hui, l'heure est aux grands ensembles. Vous avez l'Europe qui se fédère, vous avez les États-Unis qui est un grand pays, vous avez la Chine, le groupe Népal. Donc, c'est la place aux grands ensembles supranationaux. Si nous voulons exister, si nous voulons faire face à ce changement mondial, il va falloir qu'on se rassemble, qu'on s'assemble en Afrique du Nord. Et il n'y a pas de salut pour les pays de l'Afrique du Nord sans cette union. Il faut qu'on se retrouve, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, sans un existant historique. Si nous voulons construire demain, il va falloir poser les bases dès maintenant. D'ailleurs, ça a été fait en 1958, la conférence de Tanger, elle est faite dans ce sens. Donc les textes existent. C'est une chose facile pour nous. Vous voyez, en Europe, aujourd'hui, ça chemine vers une construction fédérale, mais ça n'a jamais existé. C'est une construction qu'ils sont en train de faire. Par contre, chez nous, ça a toujours été un existant historique. Il s'agit de se retrouver. Et pour se retrouver, il va falloir d'abord se débarrasser de ces systèmes militaristes et de ces systèmes dictatoriaux qui dirigent particulièrement le Maroc et l'Algérie. Je ne parle pas de la Tunisie parce que la Tunisie, c'est un autre cas. Donc, c'était un reniement par rapport à la ligne idéologique et au projet qui a été celui du RCD. Pas seulement ça, sur le plan de la laïcité, il y a un recul. L'arrêt du processus électoral, c'est un recul. Toutes les positions qui ont été les positions phares du RCD, elles sont reniées pour faire plaisir à ce courant qui est le courant de Rachid. Tout à fait. qui sont les nouveaux alliés, bien sûr, de Mohsen Belhabes. Et là, merci pour la question de zéro, il y a en 59, effectivement, la rencontre de Tandja et de l'Afrique du Nord, Tswassen. Monsieur Dachnikan Yassine, encore plus loin que ça, où il y a une guerre, et Machamar, de 1926, l'étoile nord-africaine, c'était ça justement, c'est de construire un ensemble nord-africain basé sur les valeurs démocratiques, la laïcité, etc. De ce sous-continent qu'on appelle Tamazra, où il est né Umma Arabiya, né Umma Islamiya, c'est l'Umma Amazigha, Tamazra, où il n'y a qu'un Nord, il y a Yassine, ça c'est un gamo. Quelles sont vos propositions pour faire face à la menace islamiste, notamment en Kabylie, qui est convoitée pour la dénaturer? La Kabylie est une décence démocratique et laïque des choses et de morale qui a fait chuter. Donc la solution, c'est d'en parler. La solution, il faut susciter le débat. Et d'ailleurs, dans ce sens, le travail de Khadim Saïd Saadir, il est immense. Pourquoi? Parce qu'il a déblayé le terrain pour nous. Il a déblayé le terrain pour le Coran démocratique et pour le Coran laïque. Mais il a sous-messe, mais à la région de Kabylie aussi, et c'est une région qui a toujours tenu tête à l'islamisme et au pouvoir militaire. Ceux qui n'ont pas réussi en 80,
en 90, les années 90, ils veulent le réussir aujourd'hui, mais avec l'aide des pseudo-démocrates et de Bouinars Nassagir, en leur attribuant le rôle de sous-traitant et vidéo utile. Mais il a nevra athnan qaveu, il a qu'un hadariou, il a qu'un saou ferarien ou doud, il faut les démasquer. Il ne faut pas arrêter d'en parler. Wikileaks, non seulement ils sont un danger pour l'Algérie, mais ils sont un danger pour toute l'Afrique du Nord. Nafid, nous venons aussi, qui le confirme, ils sont affiliés à une organisation terroriste internationale qui est le congrès de la Oumma. Le Mu'tamar al-Oumayyadi, il est dirigé par un terroriste international qui s'appelle Hakim al-Mtarek. C'est un Kuwaitien. Leur congrès, ils les tiennent en Turquie. Leur objectif principal, c'est d'effacer toutes les frontières de l'Afrique du Nord et d'en faire le califat dirigé par Erdogan. Est-ce que nous devons laisser des gens comme ça pourrir la situation, particulièrement en Kabylie? Moi, je dis non. Il faut les dénoncer. Et les dénoncer contribue en grande partie à la solution, c'est-à-dire les débarrasser du champ politique. Matwale Rassegui, qui attaque Saïd Saïdi, le Coran démocratique? Serve Rachel, serve des anciens militaires, mais qui sont en réalité toujours en connexion. Toujours en connexion. Parce que quand ils sont du DRS, ils ne peuvent pas quitter. Ils sont toujours en connexion. Vous avez un chemin à bout. Donc c'est le militarisme et l'islamisme qui font jonction, mais qui en réalité ont toujours fait jonction pour attaquer le courant démocratique. Malheureusement, c'est qu'ils ne se sont pas attribués, ils ont pu bénéficier des services de pseudo-démocrates qui sont devenus de véritables sous-traitants. Les attaques qu'on subit aujourd'hui de la part d'anciens compagnons rentrent dans le cadre de la feuille de Nifidna Farfoura, isthmienne, au niveau du siège de Magharibia. Donc, mais il en va. Mais il en va. En venant, le Zaire Tlili, le Zaire Tougdouf, le Zaire Yath, il y a une séparation du pouvoir politique, du pouvoir religieux. Le Zaire Ndereïdi, le Chapio, Reyh Kmed, un militaire. Il a un sauvetage où il a dénoncé mon habsar. Il est pacifique. C'est l'argument. Ils ont tout testé. Aujourd'hui, ils veulent revenir. Ils veulent infester le terrain en Kabylie. Et malheureusement, en se servant de certains des nôtres. ياسين اسكسين نغيرو كي ديك التاد الصح هذا نغيرو ذاك النزغه ياسين اسيوان اي سيوان كذا ليلى حاج عرب ديما زن نيرني فرانسيلي سي دي جند لاثر يلهان اسمي لان ديك غمني غنلناو الجزائر نا لا بيان نولا نشفيوك في لي زانتيرفونسيون ني نون ميال ويحيى الرياض طاسيت تي ولان عجبت السنت تغاوي فننظر ذا شو ذي مال نعدي سنفران يسعان كيكي ياسين اي سيوان ليلى حاج عرب ديما زال نظن اي فرنسي اللي غادي دير ذا شو تنس نفران يسعان غرز ذاك فان ميرتي كان رشيد وكل يوم كان تزرع قسمي دن فاضي لا بيان فاضي سي لي دار سي في نو سون سي لي نوفيل ديناميك باسكو يفا فالوار دوني ان كادر اورغانيزاسيونيل ا سو بروجي كي نوتر لو بروجي ريبوبليكان بروجي ديموكراتيك لايك لو بروجي دو لافريك دو نور. Il va falloir lui donner un cadre organisationnel pour le porter. Il n'y a aucune organisation qui l'assume aujourd'hui en Algérie. Donc nous avons cette ambition de lui donner ce cadre. Depuis notre démission, nous avons été en contact avec beaucoup de jeunes. Parce que la jeunesse, elle représente 70% de la population. C'est un réservoir très important en Algérie et mal investi. Donc nous nous sommes adressés à cette population particulièrement pour essayer de lancer une dynamique. Cette dynamique aujourd'hui passe de se transformer en véritable organisation. Malheureusement, les conditions sanitaires ne le permettent pas, un exercice politique plus facile, donc ne permet pas le déplacement des gens, ne permet pas la tenue de réunions. Mais sinon, les contacts sont là. Nous avons un réservoir de jeunes un peu partout sur le territoire national, un peu des amateurs d'ailleurs, un peu des fondateurs de la sorte de la Rouharan, la Nabar, et puis c'est des gens qui ont impacté
la révolution du 22 février. Donc, c'est des gens qui ont été sur le terrain depuis le 22, depuis le premier jour de la révolution, et même bien avant. Donc, ils sont formés dans le feu de l'action. C'est des gens qui vont servir cet idéal que nous partageons tous, qui est l'idéal démocratique, qui est l'idéal républicain, qui est l'idéal laïque. Donc, nous avons cette ambition, parce que l'Algérie n'a pas d'autre choix que de s'engager sur cette voie. Mais il a Bouitsouiguinéen, c'est l'afghanisation de l'Algérie. Ce que nous avons pu éviter en 91 peut se reproduire aujourd'hui avec la complicité de ces pseudo-démocrates, avec la complicité de ces sous-traitants, avec la complicité de ces idiots. Donc, vous connaissez Bouidel Halfelan qui m'a dit Mzoura. Mnoui Mzoura, quand je dis Mzoura, tout d'abord, l'Aim Chamar, Nader Benewali, Nader Abdan Ramadan, Nader Mouloud Mamri, Nader Saïd Sadi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Nous avons le devoir de continuer ce combat. Nous n'avons pas d'autre choix que de le mener à bon port, si nous voulons réussir. Parce qu'en tous les cas, l'heure est à la modernité. L'heure est au progrès. Nous sommes à l'heure de fil. On ne va pas retourner maintenant au 7e siècle, au 14e siècle. L'Algérie est appelée à évoluer. L'Afrique du Nord est appelée à s'ouvrir sur le monde, à s'engager sur la voie de l'universalité. Donc, nous avons ce devoir de créer des passerelles entre les jeunes algériens, mais pas seulement dans toute l'Afrique du Nord. Nous avons aussi des contacts et au Maroc, et en Tunisie, et même ailleurs. Donc, nous avons cette ambition d'incarner, de porter ce combat qui est le nôtre. Merci, Kadarachi. لكن دوسات جانا انت دي ويني تكي يعني دي سبلال نيه ذلك اولي كان جاغو كان كي كيسمغا ولا ياسين فن مرتيك سلارا دي جاردارو تي كيو 5 سي تي شين qu'on suit et dont on suit les analyses aussi qui sont pertinentes. Donc, amnou mazal iskmil darachid daqlar gouner inchallah taati j'espère taati la pandémie est guérie, on voit là où on a de certif, on a de sahan, mais je suis dans les visioconférences, c'est où l'internet, mais on est là, on est là, parce que, ou là, je ne suis pas là, ou on s'en va dans les jumeaux, ou on s'en va dans les jumeaux, ou on s'en va dans les un prolongement, et on est dans la dynamique qui est dans la dynamique. تلميذ ياسين تلميذ ثانوي كنا مثل دقيقة من يزنا كان مثل نقار يالتي كلت تيكيو 5 ذا طاق ستين تريبون اوديو فيزيوال اوفرت اتو لي كورون دو بونسي بوليتيك ريليجيو سبيريتوال ايكونوميك ايفون مونتون تموت القبائل تمزغا سومتا وين يبغى دياس دينيا ثيكتي وين الناس نغا ديار وين يبغى ديار تن ثيبوغا تيكيو 5 لديت هي وكي تغنيت وكني اسنينير ثم ثايض الارسيدي لدغا محسن بلعباس ذي مغناس انا مازال نقلان ذيكس كي مازال ثاني لابيان ما بغانا دارن ياسين اسيوان اسيوان ثاني هي نلديا ونثبوت عطسيو لما وكني او نخدم ثاذي وينيث اسيان مليلي هي ذكوذ ما والنظام بسنت الوايض او نديني قيمة ذي ثالوث